Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jucile Richard et je suis professeure de chant musique actuelle à l'école de musique de La Flèche. Alors avant toute chose, qu'est-ce que ça veut dire le chant musique actuelle? Eh bien en fait, c'est tout ce que vous pouvez entendre à la radio. Ça va de la variété à la pop, au jazz, au funk, au gospel, au blues, au rock'n'roll, au rock, au R&B. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec sa voix dans le chant des musiques actuelles. Alors, ensuite, mais comment est-ce que ça fonctionne la voix et comment est-ce qu'on la travaille? Eh bien la voix, c'est très étrange parce que c'est un instrument qu'on connaît depuis tout petit puisqu'on parle, on crie, on joue, on chante, on rigole avec depuis toujours. Et en même temps, eh bien, quand on veut chanter, il faut l'approcher comme un instrument de musique. Savez-vous que la voix, en fait, c'est une vibration. C'est la vibration entre l'air et vos cordes vocales et la manière dont ils vont résonner en vous, dans votre bouche, dans vos sinus, dans votre tête, dans votre poitrine. Et plus vous allez travailler votre respiration et vos cordes vocales et votre articulation, et plus le son va être joli. Mais voilà, de temps en temps, quand on n'a pas utilisé sa voix depuis longtemps, bah ça fait comme une vieille voiture au réveil, et bah quand on la démarre, elle tout saute un peu. Par conséquent, il faut faire ce qu'on appelle des vocalises. Je vous montre. Quand ça fait longtemps que j'ai pas chanté, parce que ça arrive, eh bien, je vais faire un exercice justement de vieille voiture au démarrage. Je vais faire des brrr et je vais partir du plus grave, monter vers le plus aigu et redescendre vers le plus grave. Je vais le faire plusieurs fois et puis après, je vais faire des petites vocalises en A par exemple ou alors avec la bouche fermée pour plus de douceur. Prenons un exemple. Avec cette fameuse bouche fermée, nous allons faire... Et je vais monter au fur et à mesure. C'est un exercice doux. Il en existe des milliers d'autres. Des exercices d'articulation. Prenons un exemple d'exercice d'articulation. La phrase d'articulation que nous allons chanter, c'est « Dis-moi ton thé, ta tiloté, ta toute nasse. » Et nous allons faire... Dis-moi ton tétatiloté, ta toute nasse. Dis-moi ton tétatiloté, ta toute nasse. Dis-moi ton tétatiloté, ta toute nasse. On va monter, on va redescendre jusqu'à ce que la voix se sente bien, qu'elle soit détendue et qu'on puisse commencer à travailler nos chansons. Et là, c'est encore un autre problème puisqu'on ne va pas travailler les chansons de la même manière quand on fait du rock'n'roll que quand on fait de la variété. Prenons un exemple. Everybody, come on down, the man with the guitar just hit town. C'est pas la même chose que si je fais j'en vois des qui se donnent des bijoux dans le cou, c'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à me rejoindre à l'école de musique. J'y serai présente l'année prochaine, 2 jours par semaine. Et je serai très heureuse de vous faire découvrir et de vous accompagner à la découverte de différents types de chansons. À très bientôt, j'espère. Au revoir.